Si elle est sèche, elle est plus terrible parce que tu t'en aperçois pas tout de suite. Donc tu peux perdre jusqu'à 50, 100 feuilles. Au moment où ça devient visible. Mais avant que ça devienne vraiment visible, ben, ça a eu le temps de faire des dégâts. C'est-à-dire des petits points par-ci, par-là, on les voit à peine. Donc quand tu retires les feuilles, là, tu le vois pas tout de suite. Il faut être très attentif. Des fois, c'est sur une ligne, tu vois, c'est tout empâté. Cette ligne est empâtée. C'est à ce moment-là que tu t'en aperçois. Mais là, il est passé sans feuilles à ce moment-là. Voilà. Alors, si c'est sur un recto, ça va. Mais si c'est sur un verso, eh ben, tu es obligé de repasser la plaque. Ouais, tu perds les deux. Voilà. Là, c'est rien du tout, ça. Bouillon à nouveau. Voilà. Là, c'est déjà en train de sécher. Voilà. Hop, et on y va. Thank you.
rien d'un bon coup avec ça. Bon, elle va rester là. Je vais rincer la... pour éliminer la gomme. Parce que ça se rince simplement. Ça sent... On la lave simplement. Les deux côtés, parce que quand on fait ça, ben, y a la gomme, y a de la gomme qui se dépose dessous. Et... Bon, mais il n'y en a pas autant dessous que dessus, évidemment. Mais alors après, ça colle sur le cylindre. C'est pas marrant. C'est très difficile ensuite à manœuvrer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des pitons comme ça, c'est pour les égoutter. Et puis maintenant, ben, je vais me faire une pile. De démarrage. Hop. Ça ira. Bon, alors ensuite, eh ben la plaque. Je vais mettre la plaque. Alors les plaques, elles ne sont plus perforées maintenant. C'est moi qui les perfore. Je vais vous montrer. J'ai fait faire chez le même serrurier un gabarit. Ça pèse 8 kilos. C'est de l'acier. Ça pèse dans les 8 kilos. Voilà. Et puis avec une perceuse sans fil,
une AEG, ça c'est de la bonne qualité, une mèche de 6, et hop. Et, mais alors il y a tout un protocole, hein. Alors là il faut le suivre au moindre détail près, sinon on rate tout. Alors le problème c'est les dernières au fond, parce que ça passe dans le... Je travaille sur ce plateau, c'est du bois, et là il n'y a plus de... La plaque, l'aluminium n'est plus en contact avec une autre plaque, donc ça fait des... Ça fait quelques petites barbes là, bon c'est pas gênant, ça concerne deux plaques, trois plaques maximum, et bon, enfin c'est pas beaucoup quoi, c'est rien, puis on fait avec. Voilà. Donc c'est moi qui fais les perforations. Donc là, je ne vais plus faire trop de commentaires. Là, je vais faire les choses comme je les fais d'habitude. Hein. Ouais. Et là, moi, je traite la... Je nettoie la plaque chaque fois, même toute propre, là. Hein. Parce qu'il peut y avoir des restes de gomme. Voilà. Parce qu'à une époque, justement, je ne comprenais pas pourquoi... Au démarrage, ça me faisait plein de saloperies et tout, évidemment, mais c'était les restes de gomme. Donc au départ, il faut la nettoyer avec un produit sérieux. Il faut enlever les restes de gomme. Voilà. Le tirage d'une plaque, une demi-heure, mais le démarrage, c'est-à-dire avant de commencer à imprimer, démarrage, c'est-à-dire la préparation de la machine, c'est-à-dire faire quelques petits huilages, bon ben ça c'est une demi-heure. Si c'est le huilage total, c'est une heure. Il faut compter une heure. Mais il faut démonter tous les carters. Voilà, c'est ça, 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 celui-là, etc. Là on enlève et tout. C'est incroyable le nombre de pignons qu'il y a dans le grenage partout. L'étringlerie, tiens, viens voir. Tu vois, par exemple, ici, ça ressemble à une locomotive à vapeur. Voilà. C'est ça qui fait la corrélation entre le mécanisme horloger, d'horlogerie, qui se trouve là, c'est un véritable mécanisme d'horlogerie, et puis le reste de la machine. Ça pour que ce soit parfaitement synchronisé quoi. Ça se règle pas, c'est monté comme ça d'origine. Voilà. Mais il faut que ça soit huilé. Voilà. Et je fais très attention. Bon, voilà. On va utiliser l'autre. Là. J'ai pas confiance dans ce coton. Je le trouve pas assez doux. Là, celui-là, il est parfait. Ça résiste pas, ça glisse bien. C'est important, ça. Ah ! Alors, on va utiliser celui-là, ça sera beaucoup plus simple. Thank you.
Voilà. Ça, il faut faire attention parce que sinon, là au démarrage, la feuille colle si on laisse des saloperies comme ça sur le plancher. Voilà, on est bon. Donc le papier est en place. Alors on y va. Ben là, il y a un trou là, ici, c'est par là que ça se passe. Voilà, on a le boulon, voilà, le boulon est ici, hop, voilà, on le desserre, et là maintenant, il faut que j'aille à droite, donc c'est l'inverse, il faut que je tourne à gauche, voilà. Alors, c'est pas ça qui tourne à gauche, mais c'est on fait tourner le cylindre. Voilà, je fais tourner le cylindre de 4 mm environ, donc ça sera à gauche. Moi, ouais, je pense que j'y suis là. On verra bien. Voilà. Alors elle est grosse parce que les pages 1, la première et la dernière, c'est celle qu'on abîme le plus au cours du montage, enfin au cours de toutes les opérations de fabrication qui suivent l'impression, quoi. Donc, j'en mets beaucoup plus. D'ailleurs, à peu près 30 feuilles de plus, un minimum. Donc là, c'est dans ce sens, je vérifie que c'est tout dans le même sens. Ça aussi, quand on passe un verso, il faut vérifier que toutes les feuilles sont bien dans le même sens. Voilà. Ah, c'est bon. Faire très attention. Il ne faut pas pousser ça jusqu'à la ferraille. Il y a un petit ergot justement qui permet de le caler. Non, il faut laisser ce vide. Il faut laisser un vide. Justement, à cause des tuiles éventuelles. Et voilà, et tout et tout. Voilà, l'ergot est là. Et je suis du bon côté. Alors, ma petite pile.
j'espère que je ne me trompe pas de côté. Alors là, il y a une blanche, mais à mon avis, c'est une ancienne. Voilà. Je me méfie parce que ça m'est arrivé combien de fois, au dernier moment, de le mettre à l'envers. Bah, c'est bien ce qui a failli arriver. Bah, ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà. C'est le seul défaut qu'il y a sur cette machine. C'est-à-dire que ça, si tu débrayes pour descendre et puis tu actionnes la manuelle, à tous les coups, tu vas buter sur la manette. Mais enfin, c'est comme ça. C'est pas grave. Bon, on est bon, on va y aller, c'est bon. Thank you.
C'est la vitesse minimale. Les presses, les grandes presses, elles peuvent aller jusqu'à 12 000, 13 000. Ah, je ne parle pas des presses 4 couleurs géantes qui impriment les journaux. Là, ce n'est pas des feuilles, hein, c'est des bobines qui en continuent, qui après cette coupée. Ben, sinon, vous n'aurez jamais le temps en une nuit d'imprimer les journaux. Aujourd'hui. 5.